les chansons qu'on aime bien. Par Domo France. Alors moi j'ai fait partie d'une association qui s'appelle le droit au logement, vous voyez. Donc je les connais bien parce qu'on a souvent des personnes qui viennent se plaindre. Alors comme on s'est sponsorisé par Domo France, je vais faire un texte pour un jeune homme qui s'appelle Frido, qui est mort de froid à Bordeaux le 15 décembre 2009. Moi ça m'arrache la tête, à chaque fois que j'apprends ça, ça m'arrache la tête et les tripes. Donc en attendant que Domo France lèche tout le monde, ben, j'ai fait cette chanson pour Fredo. Je suis contente de venir chanter pour vous, je vous assure, je suis trop contente. Jamais à soif.
Fredo, mon frérot. Je le sais au fond de moi, le rêve est bien vivant. Bien vivant. Et je le cherche pour le chérir, pour les enfants de l'avenir, pour ton corps raide, sur ce carton, pour ton corps raide, sur ce carton et pour ton âme qui nous veille, et pour ton âme qui nous veille. Dans chacun de nous, un ami, dans chaque regard, dans chaque geste, l'amour, au milieu de tout, l'amour, au milieu de nous, l'amour, au milieu, l'amour, au milieu de tout, pour Fredo. C'est rien de le dire. Ce monde-là marche sur la tête et s'entête à nous tenir. Loin, si loin, les uns des autres. Loin, si loin, les uns des autres. Loin, si loin, si loin des autres. Oh, Fredo. Parce que comme on fait le concert ensemble, et à un moment donné, il faut que ça s'échange aussi. Hein. C'est pas nous les vedettes, encore une fois, c'est vous, donc merci. Alors des Fredo, il y en a plein, hein, visiblement. Il n'y a pas que Domo France, j'aurais pu dire Incité, Aquitanis, enfin vous les connaissez, tous ces mal-logeurs à qui on file de la thune pour qu'on vive dans des trous à rats. Des Fredo, c'est à peu près 400 personnes par an qui décèdent à la rue parce qu'ils n'ont pas de maison. À Bordeaux, il y a 3500 personnes qui chaque soir ne savent pas où dormir. Et dans toute la communauté urbaine, il y a 10400 logements vacants. Donc, vous voyez, moi, quand je fais partie de l'association Droit au Logement, quand je rencontre des politiques, je fais juste une soustraction. Vous voyez, 10400 logements vacants, 3500 personnes qui dorment dehors, ça laisse de la place à la spéculation immobilière quand même. Hein, voilà, on devrait pouvoir loger tout le monde et vous pouvez continuer à vous en foutre plein les poches. Mais visiblement, ça les intéresse pas trop qu'il y ait des gens qui dorment, que tout le monde soit à l'abri. Donc encore une fois, il reste plus que nous. Et tant mieux! Tant mieux! Je sais pas si on sera réinvité. Hein.